Bonjour mes chouchous, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé. Alors aujourd'hui, on va essayer de terminer nos leçons. On s'est arrêté sur la page 46, alors vous allez prendre la page 46, toujours l'unité 5, le gâteau au fromage blanc et aux fruits de Mathie. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on observe ici? On va essayer de zoomer. Alors, on a des ingrédients. On a 300 g de fromage blanc. On a 3 sachets de sucre vanille. Et on a 36 biscuits à la cuillère. On a une grande boîte de pêche au sirop. 3 pommes, 3 oranges, 3 bananes. Les matériels, grande cuillère, couteau. Grand saladier, pardon. Voilà. Alors, on a premièrement coupé les fruits en dés, mélangé les fruits, le fromage blanc et le sucre vanillé dans un grand saladier. Troisièmement, trempé les biscuits dans le sirop de pêche. Quatrièmement, mettre les biscuits dans le plat. Cinquièmement, verser un peu de mélange du fromage et fruits. 6. Mettre encore des biscuits. 7. Verser encore un peu de mélange fromage et fruits. 8. Ajouter des pêches. Et 9. Mettre en frigo 3 heures. Alors, très bien. On a ici encore sur l'image une assiette et un plat rond. D'accord? Parmi les ingrédients, on a 300 g de fromage blanc, 3 sachets de sucre vanillé, 36 biscuits à la cuillère, grande boîte de pêche au sirop, 3 pommes, 3 oranges, 3 bananes. Pour le matériel, on a une grande cuillère, un saladier, grand saladier, pardon, couteau, une assiette et un plat rond. D'accord, alors on va essayer d'écouter. Petit Doc, recette. Le gâteau au fromage blanc et aux fruits de Mathie. Activité 1. Écoute et réponds. 1. Qu'est-ce que c'est? Une carte postale. Une recette. Un abécédaire. Une peinture. 2. Comment s'appelle la recette? 3. Le gâteau est pour combien d'enfants? 4. C'est un gâteau salé ou sucré? 4. Alors, on va essayer d'écouter une deuxième fois et puis on va répondre en même temps, d'accord? Alors, on va essayer d'écouter. Petit Doc, recette. Le gâteau au fromage blanc et aux fruits de Mathie. Activité 1. Écoute et réponds. 1. Qu'est-ce que c'est? Une carte postale. Une recette. Un abécédaire. Une peinture. 2. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une recette. Puisqu'on a des ingrédients, ça veut dire qu'on a une recette. D'accord? Comment s'appelle la recette? La recette s'appelle le gâteau au fromage blanc et aux fruits. Le gâteau au fromage blanc et aux fruits. 3. Le gâteau est pour combien d'enfants?
Le gâteau est pour 8 enfants. Le gâteau est pour 8 personnes, 8 enfants. Quatre. C'est un gâteau salé ou sucré? Alors, c'est un gâteau sucré, puisque c'est un gâteau avec du biscuit où il y a du sucre, avec des fruits, avec de la vanille, avec du sirop. Alors, c'est un gâteau sucré, bien sûr. D'accord? Alors, deux, on va essayer d'écouter. Ou bien regarder. Alors ici pour les fruits, on a des bananes, des pommes, des oranges et des pêches dans une boîte au sirop. D'accord? Alors, dans ce gâteau, on a pas mal de fruits. On a des oranges, des pommes, des bananes et des pêches dans une boîte au sirop. D'accord? Alors, troisièmement, écoute la recette et dis les mots que tu connais. D'accord? Alors, on va écouter. Activité 3. Écoute la recette et dis les mots que tu connais. 1. Couper les fruits en dés. 2. Mélanger les fruits, le fromage blanc et le sucre vanillé dans un grand saladier. 3. Tremper les biscuits dans le sirop de pêche. 4. Mettre les biscuits dans le plat. 5. Verser un peu du mélange fromage et fruits. 6. Mettre encore des biscuits. 7. Verser encore un peu du mélange fromage et fruits. 8. Ajouter des pêches. 9. Mettre au frigo 3 heures. 3 heures. Voilà. Alors ici, voilà Mathie qui est en train de préparer une recette, un gâteau au fromage blanc et aux fruits. D'accord? Alors là, pour la recette, premièrement, la première des choses, on doit couper avec un couteau les fruits, d'accord? On a comme fruits les pommes, 3 oranges, 3 pommes et 3 bananes avec des pêches au sirop en boîte, d'accord? Alors la première des choses, on doit couper les fruits et puis on va les mettre dans un grand saladier où on va mélanger les fruits, le fromage blanc, le sucre vanillé dans un grand saladier. Alors dans un grand saladier, on va mettre les fruits, tous les fruits, avec le fromage blanc, avec le sucre vanillé, et on va mélanger le tout. D'accord? Et troisièmement, on va mettre les biscuits dans le plat. Alors, on a des biscuits, on va les mettre dans le plat qu'on va faire entrer au réfrigérateur pour le refroidir. D'accord? Et puis, après 5, 6 et étape 7, alors, on va mettre les biscuits, la première des choses, et puis, on va verser un peu de mélange du fromage et du fruit. Et puis on va ajouter les pêches
Et puis, on va mettre le gâteau au frigo 3 heures et ça va être prêt à servir et à manger. Bon appétit! D'accord, je vais répéter. Alors, la première des choses, il y a la coupure du fruit. On va couper les fruits. On va mettre le tout dans un saladier et puis on va mélanger les fruits avec le fromage au sucre vanille. Et puis, on va prendre les biscuits, on va les mettre dans le plat et puis on va verser un peu de mélange des fruits et du fromage. Et puis, on va mettre les pêches dernièrement en haut. Et puis, on va mettre le gâteau au frigo pendant 3 heures. Et ça va être prêt à servir. D'accord? Tu as dévoré. Alors, bon appétit. Et d'accord, alors s'il vous plaît, prenez votre cahier d'activité. On va passer aux exercices. D'accord, alors prenez votre cahier d'activité sur la page. Alors, vous allez prendre votre cahier d'activité sur la page 62, unité 5. Je révise. Alors, premièrement, on va essayer de faire le premier exercice ensemble. Écris les mots dans le bon panier. On a le fromage, les tomates, l'eau, l'œuf, le poulet, les fraises, les pâtes, la viande, le raisin, le lait et la salade. Ici, on a 4 panier. Alors, on va voir avec quoi ces noms, d'accord, vont commencer. Est-ce avec du ou bien de L apostrophe ou bien de la ou bien des pluriels. Alors, je répète les mots. On a fromage, les tomates, l'eau, l'œuf, le poulet, les fraises, les pâtes, la viande, le raisin, le lait, la salade. D'accord. Alors, on dit du fromage. On dit du fromage. D'accord. On va écrire le mot fromage ici. Les tomates, on dit des tomates. On va écrire les tomates ici. L'eau, on dit de l'eau. De et l'apostrophe de l'eau. On va l'écrire ici. D'accord? Alors, l'œuf, on va l'écrire où? Alors, l'eau de l'eau. L'œuf et l'apostrophe, alors, de l'œuf. Alors, on va l'écrire ici. Le poulet, du poulet, d'accord? Les fraises, des fraises. Les pâtes, des pâtes. La viande, de la viande. Le raisin, du raisin. Le lait, du lait. La salade, de la salade. Alors, je vais répéter. Alors, du fromage, des tomates, de l'eau, de l'œuf, du poulet, des fraises, des pâtes, de la viande, du raisin, du lait, de la salade. D'accord? Alors, on va passer à l'exercice numéro 2. Supprime les PR et entoure le sandwich de Maggie. Alors, on va essayer de supprimer les PR. PR, PR, 1. On a ici l'article 1. Sandwich. Un sandwich avec des tomates et du poulet.
et des œufs. D'accord? Alors, sandwich avec des tomates, du poulet et des œufs. D'accord? Alors, la B supprime les PIN, P-I-N, et entoure la boisson de Léo. Alors, si on supprime P-I-N, un jus d'orange. Le voilà, un jus d'orange. D'accord? Alors, troisièmement, barre l'intrus. On va essayer de barrer l'intrus. Alors ici, c'est ça l'intrus. Ici, on a un thé ou bien un café, c'est un thé, des frites et la lettre T. Alors, où est l'intrus? Ici, on a une tomate, une orange et un garçon. Où est l'intrus? Ici, on a un verre, une assiette et un garçon. Où est l'intrus? Ici, on a de l'eau et on a la lettre O et on a du poulet. Et ici, on a du pain, un poisson et un garçon qui dessine. Alors, vous allez trouver l'intrus. On a fait ensemble ces trois exercices. Alors, deux exercices, deux avec AB. Et vous allez faire le troisième exercice et le quatrième exercice. Troisième exercice, vous allez trouver l'intrus. Quatrième exercice, dessine cette drôle de recette. Alors, on a un gâteau au fromage et aux frites. Gâteau au fromage et aux frites. Alors, c'est un gâteau salé avec du sel. Alors, premièrement, on a coupé les frites en dés. Mélangez les frites, le fromage blanc et le sel dans un grand saladier. Trempez les bonbons dans le sirop de pomme. Mettez les bonbons dans le plat. Versez un peu de mélange frites-fromage blanc. Ajoutez les pommes. Mettez au lit une heure. D'accord? Alors, on va essayer de dessiner cette drôle de recette. Vraiment, elle est drôle. Alors, on va essayer de la dessiner ici. D'accord? Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le cours a été amusant, que vous avez appris quelque chose. Je vous aime tous. Au revoir. À la prochaine.